Bonjour, ou bien bonsoir tout le monde, ça va aller le regarder des vidéos ça. Gros problème haïtien au Mexique a pas duré un moment là. Alors c'est pas Kounia. On va qui grave. Mais pas de monde qui jamais parler de lui, pas de monde qui jamais dire rien de ça. Bah jamais entendu au moins monde parler de ça. Pendant que je fais vidéo ça là, mais ou même de me partager parce que ou pas comprendre ça que me doit de me partager là parce que me t'aime mais plus mon nouvelle t'aime mais arriver dans oreilles autorité. Nous connaissons la majorité haïtien est sur partager déjà. Ok. Nous connaissons la majorité haïtien qui arrivent à Patchoula, soit passeport perdu dans la route, là, soit passeport expiré. Nous connaissons tout, ambassade d'Haïti, ceci ou date de Mexico qui est lié. Nous connaissons tout, depuis ou pas de passeport original, ou pratiquement bloqué, ou pas qu'à faire tramiter, que vous avez fait. Nous avons si passeport perdu, ou bien passeport expiré. Comment on fait pour gagner papier dans le pays Mexique? Comment on fait pour régler les affaires dans le pays Mexique dans ta voiture là? Et si on n'a pas de papier, on ne peut pas quitter la zone pour aller à l'ambassade Haïti, dans la capitale là, pour faire passeport là. Quand il y a la même gens ambassade là, tu mets avec immigration pour y être à la fond déportation haïtienne ou bien pas qu'on ait le vol humanitaire, mais son déportation parce que c'est un monde qui devait aller vraiment, c'est forcément mon Dieu. Est-ce qu'il y a un monde qui reconnaît l'ambassadeur ça ou bien un monde qui proche lui qui te ka dit ah mon cher et s'ouvre aider haïtien vraiment mettez un consulat dans ta patchou là qui vle dit yon extension dans l'ambassade là côté que moun nan ap capable faire passeport dans l'ambassade Haïti sans qu'il pas besoin aller si ou date de Mexico parce que l'état pas quitter yon passé. Parce que vous connaissez pour faire passeport, il faut que vous allez, il faut que vous fassiez un point, il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela. Même pas qu'on est-ce qu'il y a une façon, qu'on n'y a là, pas qu'on est-ce qu'il y a une façon vraiment mon Dieu, parce qu'il y a pile monde, des milliers de Haïtiens qui ont un problème ça là. Si vous avez besoin de faire n'importe qui tramité, vous n'avez pas qu'à le faire dans l'ambassade là. Parce que l'ambassade là, c'est la capitale là liée, l'ambassade là, pas tapachula, et mon Dieu, c'est tapachula, et autorité Mexique, pas quitter ou aller. Par contre, si nous comprenons, comme si vous arrivez à Tapachula, passeport perdu ou bien passeport expiré, n'importe ce que vous faites, il faut que vous ayez un passeport, si vous n'avez pas de café. Quand vous là, pour renouveler le passeport, vous êtes obligé d'aller dans l'ambassade haïtienne, et l'ambassade haïtienne n'est pas Tapachula, et ou même tout, l'autorité, l'État, l'immigration dans le pays du Mexique, pas quitter sortir dans Tapachula sans payer le papier. Et tandis que vous venez bloquer pour faire papier, il faut que vous ayez un passeport, vous venez pas café. Est-ce que nous avons une porte sans sortir mon nouveau là? Si vous avez des gens qui ont fait vie au Mexique, qui ont bloqué, ou bien qui ça nous voulons faire là? Nous voulons faire corruption. Payer les gens pour faire le bouillon. Est-ce que nous avons fait pays? Est-ce que nous voulons aider les gens vraiment? Nous avons dit que nous avons aidé pour nous faire un vol humanitaire. Comme quoi, un vol humanitaire. Et bien, nous avons aidé. Mettons concil dans ta patchou là, les gens ont fait papier pour nous faire. Et puis tout, comme autorité. Dans ta patrie, il y a un pile d'habits qui ont fait. Il y a un pile d'haïtiens qui ont arrêté. Il y a un pile d'haïtiens qui ont volé. La police a volé. Il n'y a pas de monde qui peut défendre. Nous avons un avocat. Même les gens de l'ambassade Chili mettent là. Nous sommes capables de mettre un monde qui peut aider. Tout. Parce que dans le pays Mexique, il n'y a pas de droit à retour d'après la loi. Sans qu'il n'y ait pas de bon la parole. Sans qu'il n'y ait pas de preuve tangible qui dit qu'il doit à retour. Donc, il y a des gens qui sont en prison qui fait 22 jours moins en prison juste parce qu'ils n'ont pas de papier et ils n'ont pas supposé ça. Quand il y a là, il faut un avocat qui pourrait démontrer ça, qui pourrait gérer ça. Souvent, il y a des gens qui m'ont demandé de contacter un avocat. Si c'est pour un avocat, je vais parler avec un pile avocat d'immigration dans le pays du Mexique. Mais moi, je ne vais pas entrer dans la logique, je vais contacter les gens, je ne vais pas ça. Parce que lorsque je fais des choses comme ça, je vais apprendre des choses là. Il y a des gens qui nous parlent en contact. Si ça passe bien, ils sont contents. Mais depuis que ça passe mal, mon n'a pas le passé c'est où le TPI. Ça vient fait que si nous avons un contact mon nous mon en prison préfère ba nous contact avec nous le bagage gratis si vous voulez aider nous aider nous mais ta même si avocat a prend 1000 pesos ou 2000 pesos mais nous on pas préférer nous c'est raison ça parce que si mal fait si mon n'a l'oral river la nous ou bien s'il pas la nous ou bien pour une ou l'autre raison ça pas marché et moi nous pas dire comme si moi nous te bail comme donc en tout cas en ce sujet là. J'espère que au monde si nous avons un contact ambassade d'Haïti c'est pas contact parce que nous doit régler pas rappel là mais si nous avons connait un monde n'importe monde là qui ta connait un monde proche qui travaille dans l'ambassade là fait le fait si message arriver joindre monde qui concerne yo un concile
des ambassades Haïti dans le pays Mexique, tap itil moun yo en pile dans la zone qui est l'état patchoula.